Salut à tous les gens, dans cette petite vidéo je vous parle d'un après-test en fait pour les produits Action. C'était quoi déjà Action et une marque Carrefour, je sais même plus quoi comme marque. De toute façon vous avez la vidéo sur ma chaîne, allez voir, c'est les deux flacons côte à côte, produit un petit peu wax, je sais même plus comment on appelle ça, vous voyez, effet brillant, effet anti-rayure, tout ça, micro-rayure, effet lustrage. Vous voyez de quoi je parle, il y a la vidéo sur mon YouTube, donc allez voir. En fait c'était pour vous présenter les deux flacons, donc là ça fait au moins un mois que j'ai sorti la voiture, je vais vous montrer. Alors, je sais plus qui était lequel, à gauche ou à droite. En fait le seul intérêt c'est de voir est-ce qu'il y a une différence entre les deux produits, donc il faudra bien regarder la première vidéo pour comprendre. Et bon, je sais pas vous, mais moi je vois aucune différence à gauche ou à droite. Il me semble qu'à droite c'était Action, mais je suis pas sûr, et à gauche c'était la marque Carrefour. Alors c'est pas la marque Carrefour, mais elle a été distribuée par Carrefour à ce moment-là, je l'avais eu en promo. Moi je vois pas vraiment de différence au toucher. Alors là elle est sale, hein. Elle est sale, mais ah, j'ai l'impression que c'est encore plus lisse, c'est encore un petit peu plus lisse de ce côté-là. Alors ouais, on peut pas dire que le produit Action soit mieux pour ça, mais pour l'instant on voit pas vraiment de différence. On va passer à l'arrière. Ça brille un petit peu plus de ce côté là ah bah, elle est bourrée de micro rayures et tout, elle est sale, elle a pris un peu cher, mais je le trouve encore plus sale et encore un peu plus terne de ce côté là alors je sais qu'il y a le soleil qui, mais je vous jure, non là c'est un petit peu plus lisse, ça fait un peu plus peau de bébé, un peu plus lisse. Et là c'est plus sale, plus, un poil plus rugueux. Donc faut bien confirmer en regardant l'autre vidéo, ma première, est-ce que c'était bien le produit Action que j'avais mis de ce côté là ou est-ce que c'était inversé, je sais plus, mais je crois que c'était le produit Action de ce côté là si c'est le cas, il est meilleur, il tient mieux, il protège plus, et je l'avais appliqué de la même façon. Alors après c'est pas non plus incroyable, hein. Mais je vois la différence. Alors sans parler de la différence entre les deux, le fait d'avoir appliqué ce petit produit, c'est quand même pas trop mal, ça vaut que dalle, ça vaut dans les 1€, 2€. Et franchement, ça protège un peu la voiture, ça garde un petit peu le côté brillant, sombre, voilà, c'est quand même sympa. C'est mieux que de rien mettre, ça c'est une certitude, parce que j'ai déjà fait des tests sans mettre ce produit ou ni quoi que ce soit en fait. Et la voiture reste moins longtemps propre et sombre comme ça, comme vous voyez le capot il est quand même correct là. Donc ça vaut le coup quand même de mettre ces petits produits, et il me semble que celui d'Action a l'air un petit peu meilleur. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire, vidéo de 3 minutes, abonnez-vous, mettez la cloche si vous voulez tous les petits tests, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, et mettez un j'aime si ça vous a plu quand même, allez.